Safir Nafi, fondateur de la plateforme Lockiz. Dylan, responsable de l'acquisition en B2C. Alors, qu'est-ce que c'est Lockiz? Dites-moi tout. Alors, Lockiz, aujourd'hui, c'est la première plateforme qui référence des importeurs d'affaires immobiliers. C'est la première plateforme qui référence des importeurs d'affaires 100% connectés sur une seule, enfin, sur un seul et même site. D'accord, mais comment ça marche concrètement? Alors concrètement, aujourd'hui, on va référencer des plombiers, des électriciens, des gardiens d'immeubles à la recherche d'informations de vente immobilière. Et dès lors qu'il y a une information de vente qui tombe grâce à notre communauté, nous les rémunérons pour cela. En fait, c'est ni plus ni moins le principe de l'apporteur d'affaires classique. Comment ça marche d'un point de vue professionnel? C'est-à-dire que moi, en tant que professionnel, si j'ai besoin de faire... Alors en tant que professionnel, vous allez vous inscrire sur la plateforme et vous allez nous dire les recherches de mandats que vous souhaitez. Par exemple, vous recherchez un appartement dans le 16e arrondissement et nous, derrière, dès qu'on a cette recherche-là, nous allons recruter des plombiers, des électriciens, des gardiens d'immeubles, des pompes funèbres sur ce secteur-là. Et derrière, nous allons les animer pour avoir des informations de vente immobilière. Et dès lors que nous avons cette information et qui est validée et vérifiée par nos équipes, nous l'envoyons automatiquement à nos professionnels partenaires. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être présent à cet événement de la FNIM? Alors aujourd'hui, concrètement, la FNIM, ça nous apporte une visibilité auprès des professionnels immobiliers. Aujourd'hui, on a un double enjeu. Le premier, c'est recruter des agences immobilières partenaires et de l'autre, recruter des apporteurs d'affaires classiques. Donc, le salon de la FNIM nous apporte justement la visibilité auprès de ces pros-là. Parce que là, qu'est-ce que vous attendez pour l'année qui vient? On est à la fin de l'année 2018, là. Nouvelle année, qu'est-ce qui vous attend pour ce qui vient? Alors, signer encore plus d'agences. Là, nous allons ouvrir de nouveaux marchés, l'Italie, le Portugal, la Suisse la semaine prochaine. Et du coup, continuer justement sur cette expansion et continuer à recruter de nouveaux collaborateurs, comme Dylan. On cherche les ambassadeurs, l'équipe grandit, on a besoin de plus en plus de bras. Qu'est-ce que c'est un ambassadeur, du coup? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va aller arpenter les rues de Paris, de toutes les grandes villes, pour aller partager le message de Lockiz. Tout simplement. Et donc ça, c'est ce que vous faites. On fait sur Paris, on va le faire. Et comment vous faites si vous deviez jouer un... Voilà, vous êtes ambassadeur, comment est-ce que vous allez convaincre par exemple? Qu'est-ce que vous dites? On va voir donc tous les plombiers, les gardiens d'immeubles, on leur dit écoutez, on est là pour vous. On vous fasse confiance, on crée des événements, on va à leur rencontre pour qu'ils nous fassent confiance, pour qu'ils s'entraident entre eux, parce qu'on essaie aussi de créer une communauté d'entraide pour tous les métiers, pour qu'ils puissent partager tout ça entre leur métier et leur expérience. Et généralement, comment est-ce qu'ils réagissent? À partir du moment où ils comprennent qu'on est là pour les aider, parce qu'on ne leur vend rien. La partie particulière de laquelle je m'occupe, on ne leur vend rien. On est là pour les aider, et pour qu'ils nous aident aussi en retour. Dès qu'ils ont confiance, ils reviendront nous voir dès qu'ils auront des informations. C'est une sorte de partenariat. Exactement.